Et salut à tous, aujourd'hui pour un nouvel épisode de SimCity Ville de Demain, Let's Play 2, sur notre première ville, Sims Village Academy. Sur cette ville, on avait fait le premier projet. Premier projet sur, me semble bien, c'était l'éolien, avec l'académie. Et on va continuer à développer cette ville, et plus tard on va peut-être commencer la première ville avec l'Oméga. Je pense qu'on va, on va la faire en plein milieu, en espérant que qu'on puisse faire une bonne amélioration du côté des deux villes et qu'on puisse développer en grande partie l'académie, peut-être même mettre les premières méga tours. Donc on va continuer, je pense qu'il y a moyen de faire des choses. Enfin, on avait avancé, mais on va pouvoir continuer. Donc petite attente parce qu'il y a le cours de chargement, mais ça va pas tarder. Et nous voilà donc dans notre ville de Sims Village Academy, petite ville de 4000 habitants qu'on avait fait, qu'on avait travaillé dessus sur la première partie de l'académie. D'ailleurs on va continuer l'académie. Nous allons sûrement développer la gare de train magnétique et l'assainisseur d'eau. D'ailleurs on va faire les eaux tout de suite. Allez hop, c'est parti, je viens de lancer un projet. Et on va étendre notre ville pour permettre d'avoir plus d'habitants, plus de sous, ce qui est une toute logique. Et c'est parti. Alors, il y a un petit décalage là. Hop, c'est bon. Il y a un petit problème de connexion de son. Ça arrive des fois. Alors, pas assez de simflows. Ah oui, c'est vrai que j'ai pris des grandes routes. J'ai fait exprès. Hop, hop. On va faire un petit peu de commerce ici. Pour permettre un développement en plus au bord de la mer. Ça va être le paradis. Hop. Et c'est parti. Alors, sur nos zones usines sont plutôt bien, notre décharge, j'ai pas regardé. Donc j'ai pas avancé la ville depuis que j'ai tourné le premier let's play, mais on peut dire, on reprend nos bases. Donc on avait amélioré, on avait mis un module complémentaire à la centrale éolienne, c'est le module, l'amplificateur électrique éolien, qui augmente notre consommation, enfin qui augmente la production d'électricité de notre petite ville.
Développement lent, il nous faut des employés fortunés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de riches dans la ville. C'est-à-dire qu'il faut rajouter des parcs de niveau de richesse élevé pour pouvoir avoir des habitants riches. Donc on va rajouter des riches ici, je pense, parce qu'en plus il y a des pauvres. Voilà. Et ça va continuer de grossir là, et voilà, des riches s'installent. Voilà. Aussi, pour ceux qui n'auraient pas vu et qui sont possesseurs de SimCity Ville de demain, si vous faites un mode bac à sable et que vous faites CTRL U, vous aurez modernisation complète de votre ville. Ce qui est très, très sympa, c'est une information qu'on a eue grâce au blog de SimCity, qui reste actif. Oui, qui reste actif même, même après sa sortie, et qui nous donne des informations avec les producteurs qui nous écrivent. On a eu un premier crime. Bon, ça tombait bien, on a du pognon qui arrive d'ici moins d'une heure. Est-ce qu'elle va bien notre académie? Ouais, elle avance. Ah, ça y est, notre projet a été développé. L'assainisseur d'eau usée. On va sûrement le construire dès qu'on aura des sous. Pour le moment, on n'en a pas vraiment, vu qu'on va s'occuper d'abord des flics. On va mettre des flics dans notre vie. Allez, on va mettre le commissariat français. Made in French. Voilà. Et on va sûrement lancer un autre développement. Là, on va mettre la gare de train magnétique. C'est parti. Donc voilà, ça produit très vite. Vous pouvez voir l'académie, elle a une bonne production, on peut dire. Donc 2 crimes par jour. On va voir la carte. Ah, c'est là-bas. En fait, ils viennent d'où? Ouais, c'est locaux en plus. Ce qui semble logique. Il y en a un là-bas qui se balade. Je sais pas si on va aller le voir. Tiens, on va aller faire un tour. Il est à pied, d'après ce que je vois. Et j'ai pas cliqué là. Oui, il est là. Va agresser quelqu'un, dis donc. Va des rétros. Alors lui, il cherche quelqu'un, mais il y a personne ici, t'es con. Bon, notre ville a bien évolué hein, dans l'évolution. Hein. Elle se modernise petit à petit, vu qu'on va rajouter des modules. Et puis, on va sûrement construire des plus grandes d'autres zones. Là, je vais en construire une autre. C'est la nuit, profitons-en. Ça va faire du bruit quand même de construire la nuit. Hein. Alors, on va construire là, il nous reste cette partie du terrain aussi. Ça veut dire qu'on a pas mal de place. Hein. En général, c'est bon, hein. on remplit bien la map. Donc voilà. Tac. Ici on va mettre des zones d'habitation et on va sûrement rajouter un petit peu de commerce vu que j'en ai pas vraiment mis beaucoup pour le moment. Voilà. Voilà. Et voilà. Et on va développer après la densité. On va mettre du commerce là. La densité. On va mettre des commerces aussi ici. Comme ça, les gens, quand ils rentrent, ils passent par là. Parce qu'il y a les industries là, ils passent par là. Et ils s'arrêtent aux commerces qui sont ici. Qui va sûrement nous arranger. Hop. Allez, vitesse 3. Et il y a des problèmes de santé dans la ville. Beaucoup de problèmes de santé. Ah oui, la clinique est pleine. Même c'est que j'ai pas assez de sous là. On en est où côté budget? Ah, on n'est pas bon là. C'est vrai qu'on a après. Ah, on a débloqué. Un criminel a été arrêté. Bon. Bon signe. C'est le premier criminel. Alors, aussi, ce qu'il faudra penser, c'est continuer à faire de la, enfin, faire avancer la ville côté évolution de la densité. Comme vous pouvez voir, là, ça se développe bien, mais lentement. Ce serait bien d'augmenter ça. Je pense qu'on va faire ça. Mais avant tout, on va se concentrer sur les projets, vu que après notre but tout simplement, c'est de, bah, comment expliquer, tout simplement notre but est de montrer ce qu'il y a en gros dans le futur, enfin qu'est-ce qu'on peut faire dans le futur. Après, pour le terrain, pour l'académie, enfin pour l'Oméga, attendez, je regarde un peu les terrains hein, pour voir quelle ville Oméga, je vais la mettre où ma ville Oméga. Alors là, ça pourrait être bien. Là aussi, ça peut être une très bonne ville Oméga.
Là aussi. Et là aussi. Ah, là, pas du tout. Ça peut être une ville commerciale. Bah alors, notre ville Omega, on va sûrement la construire tout à l'heure ou soit maintenant. Et elle sera sûrement... Je regarde un peu les ressources. Hein. On la mettra ici. Le Wokia du Nord. Mais c'est pas pour tout de suite, vu que nous développons l'académie. Alors, côté électricité, on est bon. On va continuer de faire avancer notre ville. Donc, on va développer. Alors là, je détruis un peu. Et voilà, le projet a été terminé. Comme quoi, ça avance très vite, les projets. Une ville futuriste peut vraiment avancer très très vite. En fait, en fonction de ce qu'elle a, en fait. Enfin, en fonction aussi des revenus et du monde qu'elle a. Là, il va falloir vraiment qu'on accélère un peu et qu'on améliore les routes pour pouvoir faire un développement en hauteur. Et peut-être mettre notre première méga tour dans la ville pour permettre d'accueillir plus d'habitants et de pouvoir améliorer notre mairie. Les méga tours, elles coûtent pas vraiment très très cher. Enfin, elles coûtent cher si ça, des fois ça dépend comment vous les construisez. Les tours de riches, oui, les tours de pauvres, non. Alors là, hop, on rajoute de la population. Un petit peu de commerce, toujours un petit peu de commerce. Ça en fait plaisir, les gens. Là-bas, hop, 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 contrôle, contrôle. Et hop. Donc, je voulais aussi remercier les personnes qui ont vu mon premier épisode sur le Let's Play. Qui était donc une première présentation, une première partie. Je sais pas en combien d'épisodes ce sera tourné, mais sûrement en de nombreux épisodes. Ah, une maison futuriste, là. J'aime bien aussi les feux rouges futuristes. Je trouve ça très drôle. Enfin, autant dire, moi j'aime bien. Hop, on va peut-être rallier là, ça nous évitera des bouchons. Avec une avenue, ça serait pas mal, ça. Là, je peux pas. Voilà. Alors, déjà, ça va permettre une bonne liaison. Ça évitera qu'il fasse le tour. Et on va upgrader nos routes. Et pendant ce temps-là, on gagne des sous parce qu'on est à la vitesse 3. Ce qui est parfait pour nous. On touche quand même 7000, c'est beaucoup. Hein. On n'est pas pauvre. Mais là, j'en monte directement à densité élevée. C'est ma façon de jouer, j'aime bien. Ça m'évite de repasser après. C'est ce qui m'énerve beaucoup de repasser. On peut voir qu'il y a un côté riche là, et un côté pauvre, et puis là il y a un côté riche. C'est très marrant. La variété en fait des différents habitants. Bon, on nous demande des soins. Bon, je vais améliorer ma clinique, hop, voilà. Et on va continuer de faire évoluer. Voilà, donc on upgrade les routes, hein. Je sais c'est pas très intéressant, mais bon. Ça va devenir plus intéressant, vous verrez, quand on va faire un truc maintenant. On va développer l'académie niveau 2. Alors ça me permet de débloquer des projets supplémentaires en fonction du supplément que je vais rajouter de l'académie. Je vous montrerai si c'est... Donc on fait des économies, hein. Et voilà. Je vais grader un petit peu tout le coin. Je repasserai sûrement. On évite en fait les petites routes de terre maintenant. Au départ, vous vous souvenez, c'était ces toutes petites routes de terre. Vraiment tout petit. Et là, on commence à être 8000 habitants. On commence à bien évoluer. On a développé pas mal de nouveautés en côté technologique. On peut voir que ça évolue. Hein. Technologiquement, ça va évoluer. Vu que je vais upgrader un peu. Enfin, j'ai rajouté des trucs, on va dire des trucs du futur. Comme la scène histoire, on va sûrement le rajouter très prochainement là, pour vous montrer comment ça marche et quel est le but de ça. Je vous expliquerai tout ça d'ici quelques minutes dès qu'on aura installé tout ça. Pour les déchets, comment ça se passe?
On accumule les déchets, c'est pas terrible, mais bon. Pas grave. Les services publics. Toute petite coupure durant cet épisode, un petit bug. Donc je voulais vous expliquer comment marche donc l'assainisseur d'eau. Donc en fait ça marche tout simplement, l'eau est prise par l'assainisseur d'eau et est donc traitée, puis après relâchée et récupérée par l'assainisseur d'eau usée et réutilisée en fait pour les habitants. En gros c'est de l'eau qui tourne toujours dans votre ville. Ça évite de faire un côté station pompage, à côté station des eaux usées, donc de deux côtés, et de payer beaucoup plus. Et aussi, ça a la chance, en gros, il faut essayer d'équilibrer les deux pour pouvoir faire tourner. Alors là, on peut voir que là, on n'a pas assez de contre net et que du coup, ça produit pas assez. Et donc là, oui, vous pouvez voir qu'on n'a pas assez d'employés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Ah si, on produit assez, mais ça a du mal à se connecter d'après ce que je vois. Ah si, ça y est, c'est connecté. Bon voilà, ça, donc l'eau usée est réutilisée pour de l'eau pompée. Donc là, vous pouvez voir des statistiques qui vous permettent de voir tout simplement ce qui se passe dans la région. Donc voilà. Donc là, vous pouvez voir que ça y est, la densité a commencé dans le quartier à côté académique, qu'on va appeler ce quartier académique. On peut voir que ça y est, ça atteint la densité moyenne. Donc en densité moyenne, vous avez des immeubles riches et il y a plus de riches. Donc du coup, on va avoir une augmentation de population à l'académie, sûrement, je pense. On a des sous, ça va, la belle vie. La ville s'est plutôt bien développée en extension. J'espère que l'académie va vite se déplacer, va vite apparaître. Enfin, va vite augmenter. Alors voilà, on peut voir qu'elle produit pas mal. Hein. Alors, autre problème. On n'a pas de problème, on a des petits problèmes de santé d'après ce que je vois, mais pas grand chose. Oui, donc j'ai mis ma caserne. Et là aussi, ça se développe un peu en densité. Il y a des choses que vous aurez sûrement pas vues à cause du bug de l'upload. Donc je vous les fais part. Enfin, excusez-moi si je répète, hein, mais c'est pas très grave. Donc là on peut voir qu'il y a des commerces très sympathiques. Ça se développe bien. Des commerces qui pourront peut-être devenir plus tard des commerces Omegaco.
Je vous montrerai sûrement dans une autre région. Sûrement dans le prochain épisode, je vous ferai un spécial spécial futur dans une autre région, en mode bac à sable, où on a beaucoup développé. Donc là, c'est une histoire d'eau, marche très bien, vous pouvez voir qu'il y a un débit. Et du coup, en eau, on est dans le vert. Et de l'isolisé aussi. Côté électricité, ah, on va manquer. On va mettre les deux éoliennes supplémentaires pour permettre un bon développement. Donc on va commencer à vous montrer le train magnétique. Le train magnétique, c'est un transport unique du futur qui peut être développé par l'académie. Et donc, vous pouvez mettre des stations. Donc, je mets mes stations ici. Alors, on peut voir qu'est-ce qui s'est passé là. Je vais mettre là. Là. Donc ça modernise aussi, hein. Ça c'est sûr. C'était obligé que ça modernise. Voilà. Et on va en mettre ici. Voilà, on a gagné un nouveau succès. Un pas vers demain, moderniser 100 maisons, boutiques. Donc en gros, moderniser votre vie. Et voilà, et là on trace notre chemin. Moderniser 200 maisons, boutiques. On a beaucoup modernisé, ça veut dire. Donc vous reliez, en fait, ça passe au-dessus de tout. Ça peut passer au-dessus des routes, ce qui est très... Enfin, très pratique, ça avec tous les bouchons. Ça fait... Enfin, après, il y a des gens qui aiment pas, moi j'aime bien. Hop, voilà, on apprend. Donc là, j'ai relié en fait les zones industrie. L'industrie exprès. Hop là, voilà, là c'est relié. On va essayer de faire par là aussi. Voilà, là, on a fait un aiguillage. Hop, ça tourne. Et voilà, on émet maintenant 500 000 microtonnes, ce qui est énorme. C'est-à-dire que on a bien fait de voir la densité augmenter côté, on va dire, le quartier universitaire, enfin académique, qui a donc bien évolué. Et donc normalement, le contrôle net est connecté, et du coup, on va avoir des premiers... On va voir ce que ça donne. Attendez, j'ai pas... C'est laquelle? C'est celle-là. Oui, ils sont tous connectés. Donc ça va permettre un développement. J'ai pu voir qu'il y avait des bâtiments abandonnés. Pourquoi? Cause bâtiment feu. Alors ça, c'est les pompiers. C'est de la faute aux pompiers. Hécatombe, c'est-à-dire qu'il y a des morts. Faible valeur du terrain. Ah oui, ça. J'y avais pas pensé. En fait, comme j'ai mis ma station, c'est aussi une basse valeur du terrain. Et du coup, ça rabaisse. Mais je vais mettre des parcs modernes. Comme ça, ça va permettre une bonne évolution qui coûte très très cher ces parcs. Et du coup, ça m'a coûté quand même pas mal de pognon. Bon, il faut ça coûte cher. Hein. Voilà. Donc la ville a beaucoup évolué dans cette partie. Hein. Donc voilà, donc on peut voir, on va voir si je vois un train magnétique pour voyager dans le coin. Oui, il y en a un là. Ah merde, j'ai appuyé, j'ai pas assez appuyé, enfin j'ai pas appuyé rapidement, je suis arrivé. Ah, donc en vitesse 3, ça c'est très rapide. Hein. Voilà en vitesse 1 ce que ça donne. Ouais, un petit tour de train magnétique les amis. J'aime le train magnétique. Pas vous, vous aimez pas le train magnétique? C'est génial. Ouais. Ah bah là il y a un feu ou quoi. Bah on va visiter tous les trains magnétiques, tout le trajet. Hop, on continue. Voilà notre trajet de train magnétique. Est-ce que tu vas aller plus loin? Va plus loin s'il te plaît. Ouais, et bah voilà, on visite la ville en train magnétique. Une des opportunités qu'on a eu aujourd'hui, on va dire, dans ce nouvel épisode. Très sympa, donc voilà, notre ville est équipée d'un train magnétique. On voit que la valeur du terrain est plutôt faible dans le coin. L'académie 33, bon on va augmenter un petit peu exprès pour qu'on ait encore plus à attaquer. Donc on peut voir qu'on a baissé hein, côté économie. Donc je vais rembourser mes prêts. Voilà, j'ai remboursé mes prêts, je suis net. Tiens, j'ai...
Alors pour vrai, il n'y a vraiment pas de bouchons là dans cette ville. Mais quand vous créez des villes modernes et tout ça, vous verrez que... on peut dire, il y a certaines villes, dès que c'est vraiment grand, et que vous avez vraiment développé toute l'académie ou encore tout Oméga, ça fait de ces bouchons. Surtout l'Oméga, j'ai envie de dire, ça fait d'énormes bouchons dans une ville. J'ai eu l'occasion de jouer avec une des grandes villes et je peux vous dire que ça fait du bouchon. Hein. Et c'est énorme. Même si il y a les voitures du futur, ça fait pas grand chose. Alors, on va sûrement mettre un ministère des Finances. Hop, voilà, on a mis un ministère des Finances pour pouvoir gérer les impôts. Ouais, qu'est-ce que je fais là? Alors là, il y a toujours ce foutu bug, c'est la souris qui disparaît. Bon, c'est pas pourquoi. Alors, l'imposition, voilà, on a les impositions. Pour le moment, la ville ne rapporte vraiment rien du tout. Rien du tout. En cotronnelette, on est bon là, on est même très très bien. Et c'est pour ça que le contrôle net se développe très très bien. Parce qu'on a des riches en fait. Les riches, ils adorent aller à l'académie. Bon, franchement, c'est très sympa parce que regardez, juste devant l'académie, on a un quartier riche. On a que des bâtiments magnifiques. Bienvenue dans la richesse. En plus, le train magnétique qui passe juste devant. Franchement, j'aurais dire chapeau. C'est bien fait. Hein. Alors, que disent nos services publics aujourd'hui? Ah, confort financier, générer un revenu au total d'au moins de 15 000 simflows. Ce qui est une bonne nouvelle, hein. Très bonne nouvelle. Bon, il y a quand même des pauvres, des moyens. Enfin, on va voir la carte des statistiques. On a beaucoup de pauvres, on va dire. On a vraiment une bonne classe moyenne et très, très élevée. On en a une petite part de gâteau. Petite part de gâteau, oui. On a 226 chômeurs, ouais. D'accord. Donc on a des chômeurs. Bah, comme tout le monde, hein. Alors je me disais pourquoi ça construit pas là, j'ai pas mis. Allez hop, on met du commerce. Voilà. La RCI demande des résidentiels et demande commerce. On nous demande des résidentiels de riches. Ouais. Pourquoi pas? Donc, qu'elle en est où, madame l'académie? Elle met du temps à 46%, putain. C'est long. Parce qu'elle est pas pleine, je pense, surtout. Mais ça avance. Elle marche bien. Hein. On peut dire que la ville est stabilisée. Alors, un train magnétique, vous voyez 16 minutes de temps d'attente, ce qui est vraiment pas beaucoup. Hein. Plus de 1000 personnes, pour le moment, on va dire. Enfin, ça va sûrement arriver. Il y a les pauvres qui le prennent beaucoup, d'après ce que je vois. Il n'y a pas de touristes. Alors la carte de la population, hein, statistique qui est très utile. Enfin, moi j'aime bien regarder. Il y a 244 employés hein, dans l'académie. Ce qui est vraiment pas mal. Alors oui, dès que vous mettez l'académie, toutes vos industries deviennent, elles deviennent de niveau technologique 3. Logique. Le futur aime bien, comme on dit, si vous avez vu les spots publicitaires de l'académie. L'académie aime la nature. Enfin, elle participe, on va dire, au bon développement. Et comme il était écrit il y a quelques jours dans le blog de SimCity, le contrôle net pour eux c'est un peu comme si c'était la fibre optique en fait. Ils appellent ça la fibre optique, les développeurs. On peut dire ça. Hein, c'est une académie qui fait de la fibre optique, c'est un peu bizarre, mais bon. On va dire que c'était bien dit. C'est comme ils savent pas ce que c'est vraiment de l'oméga. On peut dire que c'est comme si c'était une drogue pour les Sims. Une drogue, ça pourrait être une drogue. Donc, voilà où on en est l'académie. 54%. Ça avance pas vite, hein. Franchement. Ça avance 1%. Et encore, ils travaillent la nuit, ce qui est pas mal déjà. Enfin, ça avance la nuit, d'après ce que je vois. On va peut-être augmenter notre population riche pour permettre peut-être d'avoir un petit peu plus de travailleurs. Enfin, riches. On va faire des riches, là. Allez, hop, des riches. Encore des riches. J'aime le riche. Alors, bien sûr, on baisse. Hein. On met plus, on met...
Ayez un taux de popularité d'au moins 75% pendant 24 heures. Ah bah, je suis la mère préférée, génial. Ouais, je suis votre mère et j'adore. Et voilà. Donc, bah, on va dire que j'ai converti un peu toute la ville en riche. Du coup, on va perdre beaucoup de sous. On perd beaucoup de population aussi. Ça devait forcément arriver. Bon, ça va revenir. Il y a des problèmes de crime en cours. T'inquiète pas, hein, les flics, les flics français, quand ils veulent, ils travaillent. Mais quand ils veulent, j'ai bien dit. Je donnerai aucun commentaire. Alors, comment va notre... Bon, ça va bien à l'école. Il y a des bâtiments, je crois, qui sont abandonnés. J'en ai vu un là. Ouais, c'est ça. Bon, sinon, on a dû augmenter en richesse. Du coup, on va avoir plus d'habitants riches. Et du coup, je pense qu'on va augmenter notre consommation de contrôle net. Alors, en fait, on a 56 000. Et vous allez savoir pourquoi j'évite de faire des choses. Alors, on a des problèmes. Pénurie d'employés. Ah oui, parce que quand vous mettez trop de riches, et bah du coup les emplois, on va dire des classes moyennes et des classes pauvres, est affaibli. Oui, est affaibli, vous avez bien entendu. Pour la peine, je vais mettre une méga tour. Oui, une méga tour les enfants. Une méga tour, une méga. Vous avez pas rêvé. J'ai pris la décision de construire ma première méga tour. Eh oui, la voilà. Donc, une méga tour. Je vous explique, vous avez en gros, on va dire c'est carré. Vous pouvez mettre des routes pour aussi permettre on va dire pour permettre une bonne circulation. Par exemple, là, la route, moi, je vais faire un tunnel sûrement. Et vous pouvez faire des tunnels aussi pour ceux qui ne jouent pas vraiment à SimCity. Depuis une mise à jour, vous pouvez faire des tunnels. Enfin, qui ont abandonné de jouer à SimCity. Là, je peux pas parce que je crois que c'est trop. Voilà, ça rentre dans la mer, mais bon. On va essayer de faire un pont. Ce qui peut être très sympa de faire un espèce de pont. Ah là, ça traverse. Ah, ça serait trop drôle, ça. Ah, c'est possible. Allez hop, je suis un fou. Qu'est-ce qui... Donc là, vous allez voir, ça va être très drôle ce qu'on va faire. Hein. Voilà. Et voilà, donc c'est une liaison en gros directe pour vous rendre direct à la tour. Pratique, sympa. J'avoue que j'aurais pas essayé, mais bon, j'ai voulu. Donc en gros, ça fait que là, vous passez sous le train magnétique et vous passez sous la route. Waouh. Là, je vais essayer de voir si je peux pas faire une liaison directe. Y a pas... Ah ben bien sûr, j'ai fait une connerie là. Ah, ça c'est le truc qui est très très chiant quand même. Bah oui, du coup, moi je suis obligé de... Alors c'est ça, hop. Ah bah bien sûr, je peux plus construire. Ah, joyeux Noël. C'est le truc qui est très très méchant. Bon, on va faire ça, hop. Et voilà. Donc normalement, les habitants vont venir. Alors ça va être des habitants pauvres. Ce qui veut dire les emplois pauvres vont récupérer des gens. Et ça aussi, ça va augmenter la population. Donc j'accélère. La méga tour est terminée. Voilà. Et je vais sûrement faire un prêt de 100 000. Pour me faire plaisir. De toute façon, j'ai assez de sous. Donc voilà, et voilà, on a augmenté la population. On est à 9 000. Donc ça peut aller parce que en fait je pense qu'il n'y a pas assez de commerce. Souvent c'est ça. Encore je vais m'exprimer gentiment. Il y a des bugs. Oui. Les méga tours n'ont pas encore subi la première mise à jour. Vu qu'aucune mise à jour a été encore faite. Mais on peut dire qu'il y a des bugs en partie sur les méga tours. Des fois ça te dit que la vie est belle, il fait beau, les oiseaux chantent, qu'on est heureux. Et le lendemain, ça vous dit, il n'y a pas de travail. En fait, il y a des travails. Je trouve que c'est un peu dommage. Mais bon, il y aura sûrement une prochaine mise à jour. Les problèmes ont déjà été remontés. En général, ça devrait s'arranger très prochainement. Et j'espère, parce que c'est très embêtant quand même de vous retrouver avec une ville avec des méga-tours. Puis d'un seul coup, tous les habitants se cassent parce qu'il n'y a pas d'emploi. Oui, tous les habitants. Tout. Alors, notre académie 70%, bon, elle est un peu longue, hein.
Elle est un peu longue et on va manquer de temps parce que, bien sûr, les amis, ça va être bientôt l'heure de se quitter. On va sûrement se quitter très prochainement. Et donc, dans le prochain épisode, je vous promets de vous montrer une ville que j'ai déjà réalisée dans une région, soit en mode bac à sable, soit en mode libre. Oui, parce que je fais aussi des modes bac à sable. Et je vous montrerai, en fait, comment fonctionne et tout ça. Et bah, ça sera sûrement dans le prochain. Et puis après, on reviendra sur cette région pour reprendre l'académie et attaquer la ville Omega. Donc, surtout, dans le prochain épisode, je vous montrerai aussi de l'Omega et de l'académie. Voilà, voilà. Bon, on va se quitter là, sur cette dernière image, le début de la méga tour. C'est un beau début, on va dire, et on peut voir que ça évolue aussi derrière, en commerce et tout ça. Et on se retrouve donc dans le prochain épisode du Let's Play. Allez, salut, bye bye.